Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a montré que l'information génétique se situe au niveau du noyau. Vous pouvez la consulter à travers le lien qui apparaîtra sur l'écran. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se fait la transmission de cette information génétique au cours de la mitose. Et on prendra comme exemple une cellule végétale. Avant la mitose, la cellule passe par l'interphase durant laquelle les nucléofilaments sont décondensés en chromatine. On peut trouver aussi des nucléoles, le tout est entouré par une enveloppe nucléaire. La première étape de la mitose est la prophase, au cours de laquelle les nucléofilaments constituant la chromatine se condense en chromosome qui devient visible. Chaque chromosome est formé de deux chromatides qui sont liés par le centromère. Le fuseau de fibres issu de la calotte polaire s'installe et l'enveloppe nucléaire commence à se désagréger pour disparaître à la fin de la prophase. La cellule alors passe à la métaphase, le fuseau mitotique s'organise et les chromosomes s'alignent dans le plan médian de la cellule, formant la plaque équatoriale. L'étape suivante est l'anaphase. Les chromatides de chaque chromosome se séparent après clivage du centromère et migre vers les pôles du fuseau. Ce déplacement est dû au raccourcissement des fibres du fuseau. Chaque chromatide devient ainsi un chromosome. Les chromosomes continuent leur migration vers les deux pôles. Enfin, les chromosomes à une chromatide se regroupent dans les deux pôles de la cellule, et une nouvelle paroi commence à s'installer au centre de la cellule, et on passe à la dernière phase, la télophase. La nouvelle paroi continue sa formation pour diviser le cytoplasme, et les chromosomes vont commencer leur décondensation en chromatine fine diffuse, avec formation de l'enveloppe nucléaire. On obtient ainsi deux cellules filles identiques à la cellule mère. Au cours de la mitose, la chromatine fine diffuse du noyau se condense pour se transformer en chromosome visible. La mitose permet, par séparation des chromatides des chromosomes, une répartition équitable des chromosomes entre les deux cellules filles, qui reçoivent le même nombre de chromosomes et la même information génétique. L'information génétique est donc transmise par les chromosomes au cours de la division cellulaire. Les chromosomes sont le support de l'information génétique. Merci de votre attention et à la prochaine.